Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous. Pour ne plus rien rater, merci. Des casseurs d'extrême droite derrière la tentative d'incendie de la mairie de Bordeaux Le palais Rohan a été la cible ce jeudi soir d'une tentative d'incendie, rapidement maîtrisée par les pompiers. Si les regards se sont rapidement portés sur des participants aux manifestations sauvages contre la réforme des retraites, la vidéo tournée par rue 89 Bordeaux pose la question de la responsabilité de militants d'extrême droite. Qui a pu tenter de mettre le feu à la mairie de Bordeaux Interrogé au moment où les pompiers éteignaient l'incendie déclenché sur la porte du palais Rohan, Pierre Urmic, parti de son bureau peu de temps auparavant, a déclaré, ne pas voir le symbole, d'une telle attaque contre, la maison des Bordelais. Étienne Guyot, préfet de la Gironde a lui évoqué les groupes d'activistes qui ont tourné en ville après la manifestation et qui se tenaient en embuscade. Mais le slogan entendu sur la vidéo tournée par le 89 Bordeaux au moment de l'incendie n'est pas précisément attribuable aux anarchistes ou à l'extrême gauche. Elle est à qui la France On peut entendre en effet distinctement quelqu'un crier Elle est à qui la France et plusieurs personnes répondre Elle est à nous. Sur d'autres vidéos de la même scène, Front national remplace Macron. Est clairement audible. Une signature des identitaires, alors que huit militants d'extrême droite sont actuellement jugés pour des violences racistes datant de juin 2022 dans le quartier de Saint-Michel, et que la première journée d'audience venait tout juste de se terminer au tribunal de Bordeaux, voisin de la mairie. Selon nos informations, les associations antiracistes qui ont manifesté ce jeudi matin à Bordeaux, en ouverture du procès, redoutaient une intervention des soutiens de Bordeaux nationalistes, le groupuscule dissous par le ministère de l'Intérieur. En outre, le maire de Bordeaux est depuis l'affaire du Sapin dans le collimateur de la droite extrême traditionnaliste. Il avait reçu des menaces de mort à cette époque. Il a récemment participé à plusieurs manifestations de soutien au planning familial et aux associations de soutien aux étrangers, visées par des tags racistes ces dernières semaines. Une interpellation après l'incendie. Interrogé sur la place Péberland peu après l'incendie, Étienne Guyot, le préfet de la Gironde, a indiqué qu'une personne avait été interpellée sans faire de rapprochement avec le procès des néo-nazis. L'ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a quant à lui critiqué l'inaction de son successeur, estimant que Bordeaux connaît la violence sans que Pierre Lormic ne réagisse. Dans un communiqué envoyé dans la soirée, le maire a préféré retenir les nombreux témoignages d'indignation et de soutien qui affluent à l'hôtel de ville.